Allez. Petit par la taille, immense par l'escroquerie. Romano, c'est les conseils pas chers sur Skyrock. Oui. C'est les conseils, pas chers. 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 Pas chers. Allez, ce chant à la traîne là. Bah, c'était Jifoul qui était à la danse. C'est vrai. C'est Cédric. Moi, je faisais un effet de style. Ah. Ouais, bah, écoute, faudra éviter les effets de style. Allez, c'est parti. On va donc au commissariat ce matin. Et tu vas donc tenter de récupérer une nuit d'hôtel qui pourra te servir pour ce week-end. Le week-end, c'est demain. Ouais, ouais. Petit week-end en amoureux. Je demande une chambre double. Dispatching. Ouais, allô, le dispatching. Oui. Je suis bien à la police. Oui. Oui, bonjour, comment allez-vous? Oui, très bien, je vous écoute. Bah déjà, je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Oui, je parle à qui? Monsieur Van Der Pins, à l'appareil. Je vous appelais, est-ce qu'il serait possible de réserver une cellule pour demain soir, pour deux personnes, s'il vous plaît? Réserver quoi? Une cellule, une chambre. Oui, je vais le réserver, ça va, merci. Merci pour sonner, monsieur. Oui, vous notez bien, ok, ah, merci. Voilà. Merci pour sonner, monsieur. Bon, donc t'arrives, si j'ai bien compris, tu sonnes. Et je sonne et c'est bon, la cellule, il a mon nom, il a tout. Et nickel. Voilà, bon. C'est parfait. Et une nuit. Quand même en réserver une deuxième, on sait jamais. Une nuit d'hôtel, on part pour une deuxième nuit d'hôtel. Vous avez vu, ça marche. C'est un hôtel pas cher du tout, c'est clair, nous dit Jules. C'est vrai que tu as raison. Ah ouais, c'est pas cher. Oui, pas cher. Après, bon, le confort se laisse souvent à désirer, mais. En plus, t'as la pension complète. Ah ouais. Ah ouais, t'as la bouffe, ouais. Ah ouais, c'est vrai, bah, attends, s'il y a quoi au menu ce week-end. Il y a Dino qui nous dit. Demandez la carte. Tu es le meilleur, Romano, bravo. Voilà où je vais amener ma femme ce week-end. Elle me fait toujours chier comme qu'on sort jamais. Et ben voilà, très bien joué, ça. Allô? C'est vrai que ça sonne, mais ça ne répond pas. Eh ouais, ah ouais. L'hôtel est peut-être fermé. Non, il y a trop de succès. Ouais, ouais. Trop de succès, Romano. Trop de demandes. Eh ouais, trop de demandes. Bon, t'as une nuit d'hôtel pour ce bon, week-end. Bon, c'est déjà pas mal. Oui, bonjour, je suis bien la police. Ça tente la deuxième. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Déjà, tout d'abord, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Bonne année. Oui. Voilà. Et je souhaiterais également réserver une cellule pour demain soir pour deux personnes avec la pension complète, s'il vous plaît. Ah oui. Oui. Vous pouvez noter mon nom, monsieur Van Der Pins. C'est noté? C'est ça, oui. Oui, c'est ça. Et je me présenterai demain à 15h pour prendre possession des lieux et je repartirai le dimanche. Ah oui, c'est ça. Oui. Donc, il y a quoi à manger demain? Oui, c'est très amusant. Oui, c'est très amusant. Bah écoutez, oui, on a envie de se taper un délire avec ma femme. Ah, ben, vous pourrez nous fournir des menottes? Je vous signale que c'est enregistré, l'appel, monsieur. Ah bah écoutez, tiens. On est enregistré. Allez, pour l'enregistrement, cadeau. C'est pour celui qui écoute, ça. Ça, c'est cadeau de la maison, ça. Voilà. Bah voilà. C'était pour celui qui écoutait, c'était pas pour lui. Bah oui, bah c'était pour le cadeau. Et bah voilà, super week-end qui dit. Ah bah voilà, c'est bon, j'ai mis des nuits d'hôtel, parfait. Voilà, on était à l'hôtel. Ah, c'est bon, ça. De police, ce matin. Ça va pas me coûter un rond, cette histoire. Ah, week-end sympa, Romano. Ah, regarde comme elle est heureuse. Ah, je suis gâtée trop. Ah, ouais. Rien. Elle a des cœurs dans les yeux là. Mais bien. Et il suffit d'être un peu originaux et puis voilà, c'est fait. Bah ouais, ce qu'il faut. 6h20 pile, et ben voilà, on est pile à l'heure pour jouer ensemble. On va jouer à Info ou Mytho dans l'apparence physique de leur copine. Ouais, ça m'étonne pas. 72% ça. Et 28% pour la santé uniquement. Vous êtes des porcs. Enfin, Romano, ouais. Non, mais ça va bien. Et fier de l'être. Ouais. Romano, depuis que t'es avec Carriol, t'as bien changé toi aussi. Non, parce que j'ai déjà plus de cheveux et ça s'est arrêté de tomber depuis que je suis. Ah non, attends. Parce que Romano, il perd ses cheveux depuis l'âge de 17 ans et c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Et j'ai 21 ans. Bon, petit fan, on te fait un gros bisou et on tombe. Et on t'envoie plein de cadeaux, tu bouges pas. Gros bisous. Tu restes là, on te reprend tout de suite et puis on fait les conseils pas chers tout de suite. Allez, conseils pas chers. Ouais. Romano, le plus grand escroc de la radio. C'est lui. C'est les conseils pas chers sur Skyrock. C'est les conseils pas chers. 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 Alors, rapport à ce qu'on a dit, Romano, qu'est-ce que t'as trouvé comme idée? Eh ben, je vais faire du relooking anti-cocufiage. Oh là. Relooking anti-cocufiage. Voilà, je vais galérer à le dire. Anti-cocufiage, c'est vrai. Ouais, j'ai l'impression aussi, ouais. Cocufiage. Je vais faire anti-cocu. Ouais, c'est mieux. Relooking anti-cocu. Ouais, comme ça, tu gardes deux syllabes, c'est bien. J'enlève les fiages. Allez, fit. C'est parti chez qui? Jean-Bernard. Oui, bonjour Jean-Bernard. Ouais. Ouais, bonjour, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Ouais, merci, pareillement. Eh ben, pareillement. Alors, quoi de neuf? Oh, rien. La femme va bien? Ouais, j'en ai pas de femme. Ah bah voilà, bah je t'appelais pour en trouver une. Hein? Ça t'intéresse, une belle gonzesse? Non, j'ai pas besoin de personne. Ah, allez, mais si, bah elle va te faire du bien. Non. Allez, en plus t'es pas vilain, moi je t'ai vu là en photo sur internet.
Je me suis dit, il faut que je lui présente une femme. Hein. Non, j'ai pas besoin. Allez, si, je te la passe. Ciao. Allô. Ah, tu fais la femme en plus. Ouais, j'avais pas prévu qu'il ait pas de femme, quoi. Ah, ben ça, c'est pas écrit dans l'annuaire. Ouais, ça, là, bon, lui, il s'en fout d'être cocu. De toute façon, il a personne pour le faire cocu. Allez, on va chez Jean-Paul. Mais lui, il sera jamais cocu, en fait. Non, c'est ça. Ah, ben il est tranquille. Il a au moins cet avantage-là. C'est vrai. Bon, on appelle Jean-Paul. Ouais. Vas-y, Cédric, prépare-en un autre, on sait jamais. Ouais. Si Jean-Paul a pas de femme, s'il répond pas, s'il est pas là. C'est quand même pas de chance. Ouais, c'est vrai, on appelle un mec qui a pas de femme. Allô, Jean-Paul ? Oui. Oui, bonjour, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Voilà, ça fait plaisir. On t'a dans la vivement. Jean-Paul ? Oui. Bah, dis-moi bonne année quand même. Bonne année. Bonne année. Ah. Et ça vient, ça vient du cœur en plus. Ah ouais, vient vraiment du cœur. Et ta petite femme, je lui souhaite également une bonne année. Mmh. Ouais, elle m'a contacté, dis donc, elle voudrait que tu te relookes un peu parce qu'elle a peur de te tromper si tu restes comme ça. D'accord. Donc je vais venir m'occuper de ton cas ce matin là. D'accord. Donc je vais te faire une petite coupe de cheveux, je vais te raser, t'épiler et t'acheter des nouveaux habits à tes frais bien sûr. D'accord. Et puis du sport également pour perdre un peu de poids. Ah bah bien sûr, on va soulever des haltères, tout ça. J'ai des trucs à déplacer chez moi, c'est nickel. Donc je vais venir te chercher, puis la journée te coûtera la modique somme de 150 euros. D'accord, plus, j'ai que ça à foutre. J'ai que ça à foutre. Bah, attends, déjà, il y a du boulot sur toi quand même, mon Jean-Paul. Hein. Ça, c'est du boulot, ouais. Hein, tu crois quoi? Ah, bah là, ouais, c'est des grands travaux quand même. Hein. D'accord. Là, c'est pire que Bouygues, là, ce que je vais faire, là. Mmh. Ah, là, le ravalement total de la façade. Hein. D'accord. Bon, bah, Jean-Paul, je suis là dans 5-10 minutes, tu t'habilles? Oui, bien sûr. Eh ben, à tout de suite, merci, mon Jean-Paul. Oui, et bonne n'oublie journée. Pas, n'oublie pas les 150 euros, elle va être très bonne la journée. Ouais. Gros bisous, mon Jean-Paul. Allez. Ce soir, t'es tout beau. Oui. Je te rends à ta femme, elle te reconnaît pas, quoi. Pas de problème, moi. Eh ben, à tout à l'heure. C'était une bonne journée. Eh ben, gros bisous à toi, mon Jean-Paul. Eh, bonne journée, Jean-Paul. Allez, bisous. Et hop, et un client. Et voilà, tu lui as allégé son portefeuille de 150 euros et c'est bien. Ah ouais, c'est bien. Conseil pas cher, réussi. 7h01. Le morning de Difool. Le morning show. 6h-9h sur Skyrock. Ce matin. Ouais, attention. Oui, pas de soucis, merci. On t'embrasse, bisous Claire, ciao. Et à toi. Et conseil pas cher aussi. Allez, conseil pas cher, c'est maintenant. Rapport aux animaux. Petit par la taille, immense par l'escroquerie. Romano, c'est les conseils pas chers sur Skyrock. C'est les conseils pas chers. 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 Et on salue l'arrivée grâce à un poisson femelle qui a eu 6 bébés hier, de 6 nouveaux bébés poissons. J'ai vu l'accouchement, c'est le message de Anso du 93. L'accouchement, quoi. Salut à toi, Anso. Alors, conseil pas cher, on fait quoi? Eh ben, ce matin, je deviens dog-sitter, promeneur de chiens. Ah. Ah ouais, pour le chien qui se promène tout seul, ce qui n'est pas le cas de tous les chiens, tu t'es dit, il y en a qui n'arrivent pas à se promener tout seul, je vais m'en occuper. Eh ben, je vais m'en occuper, bien sûr, à un service payant. On appelle qui, Cédric? On va appeler des gens qui ont des chiens. Oui, c'est une bonne idée ça. Des propriétaires de chiens. C'est une très très bonne idée. Voilà, on appelle donc des gens qui ont des chiens. C'est ça, bah, c'est le principe des conseils pas chiens, ça tombe bien. Vous savez que ça, vous savez que ça rapporte ça, dog-sitter. Ouais. Bah si, quand t'as un chien et que tu peux, c'est comme les enfants. Faut promener les chiens de star, c'est ça. Ça rapporte mieux. Moins cher que les enfants. Hein. Ah bon. Ouais, parce que Cariole l'a fait. Allô. Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Bonsoir. Oui, bonjour. Non, plus bonjour à cette heure-là. Oui, il est 8h21. Là, là. Bah, je vous appelle à propos du chihuahua. Oui. Oui. Vous avez un chihuahua? Oui. Oui, comment il s'appelle le petit chihuahua? Hubert, ça va? C'est Hubert? Non, Jody. Ah, Jody. Je voulais vous proposer mes services, là. J'imagine, vous n'avez pas trop le temps de le sortir. Je voudrais bien le sortir à votre place. Ah non, je le fais, ça. Ah non, moi, j'aimerais le faire. J'aimerais tellement me promener un chihuahua. C'est mon rêve. Ah oui, mais non. Allez, non, si... je m'en occupe, ça. Allez, s'il vous plaît, laissez-moi sortir le chihuahua au moins une fois. Ouais, non, bah, c'est bon, ça va aller, non. Allez, non. S'il vous plaît, je vais le chercher ce matin. Je vais faire une petite balade. Avec le chihuahua. Ah, il veut pas prêter. Ah, ça, il veut pas prêter le chihuahua. Pourquoi tu veux pas prêter le chihuahua? Bah, je sais pas, il veut pas le monsieur. Méchant le monsieur, le chihuahua. On appelle quoi? Là, c'est un border collier. Un border collier. C'est quoi ça? C'est un border collie qu'on dit déjà. Ah, merci Cédric. Oui. Oui, bonjour madame. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je vous appelais pour le border collie. Oui, ça fait déjà deux fois qu'on nous appelle, monsieur, mais hier soir on a eu une petite qui est venue et elle était intéressée. Alors il faudrait que vous nous donniez votre numéro, puis on vous rappellerait. Mais pourquoi vous le vendez? Non, on le vend pas, mais on le donne, mais il est gentil comme tout ce chien, mais bon, on a déjà un. Je voulais vous le promener, moi.
Vous le voulez promener où? Bah là, dans le quartier, comme ça vous me donnez un peu d'argent de poche. Ah non, 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 on le donne pas, Non, mais moi je veux pas le récupérer complètement. C'est-à-dire que je viens de chercher là, admettons d'ici 10 minutes. Oui. Je fais une petite balade d'une demi-heure. Une demi-heure, je prends 30 euros, c'est 1 euro de la minute. Ah oh non, 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 mais écoutez, je... Ah, c'est une bonne affaire, hein. Ah ben non, 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 je crois pas, monsieur. Non, vous voulez pas. Non, je voulais pas. Eh, en cadeau, je peux vous promener aussi pour le même prix. Merci, monsieur. Ah ben, vous voulez pas non plus une petite balade avec moi? Au revoir, monsieur. Ah non, il veut pas. Et, bon. Il voulait promener aussi. Bah attends, bon, c'est mon service, c'est 1 euro de la minute, je trouvais ça pas cher en plus. Bon, le Doxito Romano reviendra très bientôt sur Skyrock. Le morning de Diffoul. Le morning show.